Bonjour, je m'appelle Moussa et je suis en première année de droit en commun à l'ITT. Je viens de la région Pays de Loire, j'ai une mention bien au bac et je suis passionné de sport, en particulier le football. Alors, mon conseil pour bien réussir sa première année, ce serait d'abord de bien s'organiser et équilibrer son travail et ses sorties. Par exemple, note sur ton agenda quelques événements d'étudiants, barcamp, nocturne, conférences, etc. Et les moments de révision à la bibliothèque, seul ou avec des amis, pour trouver ton rythme, le midi, entre deux cours, ou le soir par exemple. Parfois, il est très intéressant de travailler en groupe, car l'explication d'un ami avec ses propres mots te paraîtra beaucoup plus claire que celle d'un prof avec des termes techniques par exemple. Ne te repose surtout pas sur tes acquis. Travaille régulièrement et n'attends pas la veille des examens. Et ça, dès le départ, pour ne pas te laisser surprendre par les premiers examens qui arrivent très vite, aux alentours du mois d'octobre. Et ça, c'est très important. Une fois le rythme est pris, ça devient naturel et plus facile. Ensuite, de participer aux associations, aux clubs, aux activités, etc. Car ce sont des moyens ultra efficaces pour se faire des amis et avoir une vie en dehors de l'école. Enfin, de ne pas baisser les bras. Souvent, les premières notes ne sont pas très bonnes, justement parce qu'on s'est laissé surprendre par la quantité de travail demandé. Par exemple, n'hésite pas à solliciter ton conseiller, le bureau de tronc commun ou d'autres étudiants, par exemple ton parrain ou marraine, pour toute question ou problème. Apprends à rebondir en améliorant ou en changeant ta façon de travailler selon les conseils reçus. C'est en excellent temps qu'on trouve la meilleure solution pour réussir.